les enjeux de la journée? Vigilance. On est un peu dans le, pour nous, dans le même cadre que les premières étapes avec le vent, la pluie. On est en mode vigilance. L'intérêt, c'est d'avoir notre coureur au contact des meilleurs en faisant le moins d'efforts possible, en étant le plus entouré possible. Offensif ou défensif alors? Défensif. Est-ce qu'on peut néanmoins imaginer un équipier dans l'échappée du jour? Non. Donc finalement, quand on attend Monts et Merveilles d'une première étape de montagne, quand c'est le Massif Central, il ne faut pas finalement se leurrer. Il ne faut pas en attendre énormément. C'est la première étape. On ne sait pas non plus vraiment, parce que ça fait 4 jours qu'on est dans les roues. On est plus sur le stress, on est toujours dans le stress, dans la défensive. Donc là, d'un jour au lendemain, c'est pas parce qu'il y a 3-4 montées dures, certes, mais on va encore rester un peu en défensive. C'est pas du jour au lendemain, on va pas se mettre à faire des efforts. Thibaut est peut-être pas capable de faire comme ça. Ça fait 4 jours qu'il a un 53-11. Il va peut-être pas pouvoir passer au 39-28 facilement. Faut pas non plus rêver, quoi. Dans sa tête, les 11 secondes de Cherbourg, elles ont changé quelque chose? Non, rien du tout. On avait pris le pari de courir derrière pour éviter. On préférait perdre 11 secondes que 2 clavicules.